Sans transition, nouvelle vidéo, nous partons pour le Budapest Rally aujourd'hui avec Helmut Fritz, of any people. Incroyable. Le gilet jaune, ça va mec? Putain. Ça va et toi? Ça va mal partir cette histoire. Il a roulé comme un ouf, ça va. Il était bon. Il était bon. Comme un ouf, bon, ouais. On est presque prêt. Voilà, on est dans l'ascenseur. Putain. Moins un s'il vous plaît. T'as claqué ça. Le mec a claqué sa porte. En mode, je vais réveiller les gens entiers. C'est ça. Comme un départ sans lendemain. T'as hâte de démonter l'ascenseur, ça, ça commence bien. Hein. Mec, c'est... Mais on est... vraiment, c'est Las Vegas, pas. Voilà, la voiture présidentielle est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai acheté comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va pouvoir mettre des stickers, c'est bien. Stickers beau bruit d'origine, quoi. Ouais. Attention, démarrage comme sur les Porsche à gauche. Voilà, elle est vaillante. Ah ouais. Oh non. Ah bah, ouais. Bah si. Bah si, on a dit. Et tu l'as ramené le tien, non? Non. T'as pas ramené ton petit... Non, on va dire, avec le petit kamikaze. Allez, hein. Salut les gars. Quoi? Vas-y, tiens, quoi. Je cherche pas à comprendre. Mais non, mais je comprends pas. Bon, là, l'idée, c'est on fout tous les flingues sur le côté. Ah, celui-là, ouais, il est au moins de 1979. Hein. Oh, les roulements. Qui lui, bah, t'es fou, lui c'est le meilleur de tous. Le problème c'est que les gens croient que c'est une vraie arme vu qu'il est pas en noir. Mais là. Je suis pas sûr qu'on passe tous les frontières. Mais si, c'est des nerfs. Oh oui. C'est pas mal. Voilà, c'est magnifique. Allez. Ok. À l'époque, il servait ça. Air Fritz. Le chargeant. Air Fritz. C'est pas moi. Je sais pas. Qui est d'où? Qui es-tu? Qui est moi? Yes. Fucking Fred. Enculez-nous. Enculez-nous. Pendant ce voyage, je pense qu'il faut créer fucking Frank. Voilà l'état du coffre qui est plus que plein. Je sais même pas s'il va fermer. Attention, je vais tester le l'assise. Ouf, putain. Alors, le canapé, le fauteuil de Chirac. Là, tu prends 20 ans d'un coup, là. Là, tu prends 20 ans. Là, c'est, 20 là, c'est mode retraite activé, déjà. Je sors plus. Ça voilà. Y est. Merci, bonsoir. Eh ben, on est parti. Allez. Ah, ah, c'est parti. Versailles, on arrive. On aura fait 10 mètres. En fait, ce que je me dis, c'est on a la moitié du thème qui est classe. Tu as 604 paniers de bourgeois. Et à côté de ça, on est en mode qui est cramé. Mais genre là, vraiment, j'ai une scène de toi en peignoir. C'est vraiment. C'est Las Vegas parano, quoi. Mais en fait, c'est pas un volant, c'est une barre de navire, quoi. C'est ça. Hein? Capitaine! À bâbord, toutes! Oh, tu m'as l'air d'être un peu haut en régime là. C'est quoi, c'est ton starter qui est. Ouais, c'est que quand elle est froide, elle tourne à 8000 tours minute. Ça vaut pas. Vous êtes prêts pour ce la suspension sûr, regarde la suspension, mon gars. Ce qui est. Oh putain, c'est n'importe quoi. Non, mais, t'as vu comment t'es bien derrière? Ouais, mais c'est lunaire. Moi, je pense qu'on va rater le départ. Je sens absolument pas le truc. Il faut encore qu'il range son berlingueule là. Ouais. Là. On va arriver juste pour le départ, on va slapper le truc et on va partir. C'est ça. Regardez, après, ça sera la salvation quand on va enfin réussir à réparer la voiture. Et après, ça retombera sûrement en panne. Voilà. C'est un peu le résumé global de notre vie. C'est ça. Ouais, de notre vie en général. On est à fond, lui. Non. Il est où? Ah.
ils sont pas d'esprit. Mais bon, on est un peu en froid, ils m'ont coupé les vivres. Ah, c'est là-bas. Ils m'ont laissé la 604, c'est tout. Ça. C'est où, là? Putain, départ devant le château de Versailles, mec. T'avais pas, genre, tiens, une petite cape comme à l'époque, avec l'hermine, là, quoi. Non. Alias Fluoman. Fluoman. Gilet jaune, man. Gilet jaune. Le stabilo, on l'appelle. Bon, ce feu rouge devient pénible. On va faire une arrêt des sénateurs, mon gars. Tu m'emmèneras aux USA. Putain, j'avais oublié ce texte incroyable. Allez, putain. Non, mais c'est vrai, dimanche matin, on attendait deux heures au feu rouge. J'ai décidé qu'on a assez attendu, unanimement. De toute façon, je l'ai filmé, donc. J'ai décidé unanimement avec c'est moi-même. Ça, je pense qu'en vrai, c'est marrant. Ce mec se klaxonne. Oh là là. Clavier. Tu sais qu'il a la même dans la soif de l'or. Je pensais qu'on allait être 50 bagnoles, on est deux. C'est ça. Non, mais je pense qu'il y en a plus qui sont barrés. C'est pas où, là. Ah oui, il y en a, ils sont vraiment avec des trucs de ouf, hein. Ah oui, d'accord. Ah, mais il y a des gars, ils ont décoré leur BX. Ah ouais, mais ils ont été chauds. Prêt pour la tenue de route, là. Oh putain, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais non, mais ça tient. Seigneur Dieu. Oh mon dieu. Ouais, bon, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on. Putain, il y a un gros panoramix, mec. Ah, il y a la boîte à l'envers. Oh putain. Ça va, mec. Ça roule. Attends, tu pars avec ça carrément. Van life. C'est génial, t'as toute la famille, c'est ça? Non, même pas, y'a ah putain! Bon, c'est où qu'il faut aller? Juste là? Bah, on repart, nous, on est chaud! Ouais. Bon, bah, où on fait quoi? Vous pouvez vous mettre là, parce que vous faites départ dans 2 minutes, donc avec toutes les voitures. Bon, on va avec les autres bagnoles, allez! Y'a tout votre enveloppe avec ça qui est plus. Alright! Vous mettez les autocollants! Bah, tu sais quoi, moi j'ai. Bah, pourquoi? À un moment donné, pourquoi payer l'entrée, j'ai envie de dire? Pour lui! Non, on va se faire le bas de caisse. Bah là on a fait les deux jambes déjà. Ouais déjà. Vas-y. Allez, donne-moi ton ticket là. J'espère qu'il faut pas payer à la sortie. Donne ticket. Voilà, ça a duré 15 secondes, on va rester là. C'est où ta tête? Ah, il y a des multiples. Un multiple là. Multipass. On fera un nom, quoi. On va le bloquer, on va rester. On va pas survivre là. C'est ça, on va rester bloqué, gros. C'est où les tickets là? Ah, il y a des druides. Il est où le multipass? Oh putain. Voilà, on va... Oh putain de merde. Gros. J'ai relancé le moteur sur un quart de tour. Mec, ça. C'est pas comment ça marche. C'est insolent, gros. C'est lunaire, mais qu'est-ce que. Quoi? Pourquoi faire? Ah putain. Pourquoi faire? Putain, on se fait observer là. C'est où les placards qu'on doit coller partout? C'est où? Quand tu fais avec nous? Sérieux? Putain, c'est génial! C'est... Ouais, franchement, ouais! C'est... Genre le brawler, tu sais, il s'est levé à... On s'est levé à 6h pour juste dire bonjour, quoi. Ah oui, il y a un petit café d'accueil et tout. Ah, génial! Est-ce qu'il y a de la bouffe ou pas? Il y a Fluoman. Le Bioman. Tu sais comment? Bonsoir. Le Bioman. Je suis jaune devant, marron derrière! Des cons, il y a des trucs assez osés. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une voiture plus laid que nous? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais. Ah, par contre, il y a avec la roulotte au fond là. Qu'est-ce que c'est que ça? La team chouchou. C'est quoi? Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Ah bah tu peux l'arriver, ouais. Prends le chocolatine sans chocolat. C'est pas la croissant, chef. On a arrivé comme des merdes. C'est pas problème. Et ça, c'est la remarque avec... Très bien. Et hey. Le numéro de là. Alors, 141. Il reste un fond de jeton. T'as vraiment pris ça? Non. The horse with no name. Le mec savait pas comment ça s'écrit les racines. Je vais pas être la soirée, je peux dire. Hop. Voilà. On s'appelle comment du coup nous? Les Rastignac. D'accord. Où est-ce qu'on fout ça à ton avis? Ouais. Fous-le là pour cacher. Ouais. ce petit foirage.
Tu sais, genre tu mets l'avant. Ça le camoufle un peu, tu vois. Un petit peu, ouais. Bah ouais. Tant qu'à faire. Nickel. Presque. Tu connais ça bien quand même. Ouais. Ça tient une semaine donc. Si ça tient un jour déjà, c'est bien. Tu le mets sur. Bah ouais, franchement. Attends, tu le mets sur. Et puis, ouais, ouais, ça. Non, parce qu'il est. Tu vois, profilé. Il est profilé. Ouais, bah on aurait pu te le reprofiler maintenant parce qu'alors on t'enlève le Budapest Rally. Ouais, alors attention. Non, mais là c'est bien. Ouais. Ah, mais les noms. Kadir. Non, c'est moi, ouais. Je liège. Attends. Galère. Ah, ils t'ont mis le drapeau allemand. Mais... Franck Galère. Par contre, t'as bien le bon groupe sanguin. Des plus pour oui. Vodka. Ça se met du côté ça, conducteur, ça se met, ça se met vitres, non, non, ouais, ça se met sur le côté, à l'arrière, ouais. Là, ta place, elle est là. Super. Ouais, ouais, ouais. Ça sera ma place attitrée, quoi. Voilà. Genre, vraiment, tu le colles là. Qu'à dire. Super. Ouais, elle est là. Bah, génial, voilà. Ça c'est fait. Toi, je me colle. Vas-y, ouais. Je te laisse l'honneur. Frites. Saucisse frites. Et le deuxième grand, on le met où? Bonne question. Je pense qu'on peut se le foutre en plein milieu du pare-brise. Donc, l'arrière du coup. Ouais, l'arrière, ouais. Ouais. C'est sur les portes, mais est-ce qu'on s'en fout? Je pense, ouais, on s'en fout. Ouais, à mon avis, on s'en branle. Au pire, foulons en billet comme sur le berlingot bivouac. Ouais, non, mais genre comme ça. C'est... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas un coup avant? Si, regarde. Allez, hop. Mais du coup, tu l'as payé ce peignoir ou c'était un truc de l'hôtel? Ah bah voilà. C'est rentable, hein. Il y a trop de poussière, ça va pas tenir. Non, si. Tiens, toi, Pierre, je lui verse un peu de. Voilà. Il colle les stickers aussi bien qu'il est discret. C'est ça. Exactement. Ouais. Ah! Oups! Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? L'attaque du gobelet! C'est Poly Versailles déjà! C'est ça, Poly Versailles! Bizarrement, profilé le truc. Ça va tenir. Ah! Aïe! Ouais, fais gaffe, t'es. Non, mais lui, on peut le rattraper après au pire. Combien il faut de glands pour mettre un sticker? Plus que deux, apparemment. J'aime ce bruit. Ça rappelle des souvenirs. Regarde, c'est le de la bagnole. C'est lunaire, hein. C'est vraiment lunaire. Tiens, dis-nous, qu'est-ce que t'as fait avec les ralentisseurs? Tu les passes à combien avec cette caisse? Regarde, ça doit être le trottoir du parking quand je vais rentrer. Un petit peu, bon, ça l'a nettoyé, quoi. Ça a rénové le pneu, quoi. Ça... Voilà. Ah, bon, ben voilà. Ah. Ouais. J'ai pas fait la pression des pneus, j'ai pas vérifié l'huile, j'ai rien vérifié, mais on est prêt. Ouais, ne refais pas un coup de la S2000, hein. Moi, ça me donne vachement flemme, hein. Ouais, moi, non, pas trop. Est-ce que ça va me retomber sur le coin de la gueule, tu vois? Tiens, regarde, on a un petit sticker. Ah, yes. France-Paris. On a une vignette suisse de. Colle-le de manière très violente. Paf. Voilà. Et voilà, hop, c'est fait. Ça, comme ça, ça me permet d'enlever la petite crotte de pire. Et voilà, d'une chose mieux faite. Attends, c'est quoi tout ça? Ah, des breakfast et des dinner. Ah, ouais, voilà. Lunch, breakfast and dinner. Par contre, là, on nous appelle Tarek. Ça, c'est marrant, ça rendait un truc cochonou. Eh, ils sont bien ces trucs là. On va être des saucissons. Faut les mettre, ouais. Ouais. Tiens, viens mettre ton saucisson là. Regarde, c'est du truc cochonou. Tu fais un bon lardon. Stylé les petits porte-clés. Bien bonne, là. Les petits porte-clés, ça me patoche. Ça, c'est. Ça c'est Wish, ça je reconnais ça. Ouais. Ça c'est pour gagner 300 chevaux. Par contre, ils ont vraiment fait la découpe au niveau du capot, quoi. Ils ont vraiment fait la découpe. Du coup, elle est fonctionnelle, quoi. Ils sont chauds. Ah, ils se sont fait une vraie install, quoi. Ah, les recharges.
C'est quand même important ça. En cas de soif sur la route, c'est quand même pratique. On peut se secouer là. Ils sont là. Ils sont là les drapeaux, tiens, tiens. Voilà. Allez, frac. Le bordel, c'est énorme. Embarque. Ça marche comment cette histoire? Je sais pas, ouais. Je le fais comme un truc présidentiel. C'est ça. Ah, par contre, mec, y'a rien qui le retient. Ah, ça va se barrer. Voilà. Et voilà. Mec, regarde les fanions présidentiels. Et voilà. Ça c'est beau. Allez, on est parti. Allez hop. Allez Fritz, embarque. Allez. Sur le toit là. Ouais. Ah, vas-y, ouais. N'oublie pas de la prendre. Ouais. Au pire, tu la tiens, genre, tu la tiens sur le toit. C'est quoi? Vas-y, ouais. Sois malin. Attention, là, le premier mouvement de sois malin de la journée. C'est ça. Avec les fanions, ils vont se barrer, c'est pas possible. Oh là là. Ah oh ouais, il respecte rien, l'enculé. Ah ouais, d'accord. Il respecte que dalle. Quoi. Le mec, il a niqué tout le monde. Quoi. Ça commence déjà. Super. Ça commence. On est là pour faire chier. On sauve la base pour plus tard parce ouais, que ouais. Parce qu'on n'aura pas de la. Qu'est-ce que c'est? Les pistolets là. J'ai remis de l'eau petite tête. Good soup. C'est violent son histoire là. Hein? Attention. Oh là là. Ça commence, ça y est. Ça va être bien. Putain mec, ça contient plus qu'une bouteille. Ah ouais, bah ça a l'air de durer ton histoire là. Ouais, ouais. Ouais, 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 on perd pas de temps, ouais. Allez, on y va, alors. Oh, putain, c'est quoi là? C'est comme si c'était les vacances ou quoi, putain? Allez, on y va. Ils sont pas prêts.
Ouais, non, non. Allez. Ah, ils ont les réflexes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mec, il y a deux poires, mais mec, ça balance un litre à chaque fois. C'est ça. Je sais pas si t'as vu les gerbes que je leur envoie. Ah oui, si, si, si. Allez. Il se protège. Bon, par contre, l'autre, il a dit attends-moi devant. Ouais. Non, mais il fait chier, on va être les derniers, là. Bah ouais. Putain, il m'a dit attends-moi devant pour nous donner la carte. Oh, mon Dieu, c'est comme tout. Et c'est pas l'Oréal. C'est lunaire, ce que c'est quoi ça? C'est magnifique. Un convecteur temporel qui fonctionne. Oh putain. Putain, ah, mais il est, même il est le mien marche pas. Il est propre, putain. Bah, bien sûr qu'il est propre, ça, en vrai. Bah, oui, putain. D'origine. Mais non, mais on rappelle. Quasiment aussi bien faite que la nôtre. Franchement. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on va vous suivre. Oh, t'as des belles sa parche, hein. Elle est sympa. La poche, hein. Elle est sympa, mais ça m'arrive pas longtemps. Ouais. Tu veux voir un truc cool? Vas-y. Ouais. Je peux pas te le faire dire parce que sinon il y a tous les résultats. C'est ça. Ah, on l'a aussi, ouais. C'est vrai? Est-ce que t'as la malle pour le plutonium? C'est ça. Toi, ah, ça on a pas. Faire un petit auto-sportif. Est-ce que t'as un overboard? Ah, bah on en vendait des overboards, ouais. Ouais, mais fais maison. Fais maison. Ah, fais maison, non? Non, c'est vrai, je peux voir. Tiens. Putain, il est propre, hein. Magnifique. Tout est fait maison là-dedans. Il est sublime. Ça. C'est très très bien fait. Ouais. En dessous aussi, hein. Franchement, elle est classe, hein. Magnifique. C'est bon, c'est bon. En avant, il y en a qui ont déjà perdu leur pagnon. Ouais, c'est bouclé. Bon, là, ça va rayer le capot, mais vu qu'il est déjà niqué, on s'en fout. Ouais. Par contre, à 130, je garantis pas que ça va. Ça tient pas là. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est drôle. Ouais, je crois qu'ils sont allés tout droit. Ouais. Avec un peu de chance. Si le sensible vit encore. Je t'arrête. On a un truc qui s'est barré. Prochaine, ensuite, la pensée. Lui, il est pas bien. Les températures. Ouais, c'est il tient bien la tente. 6 à 35 degrés sur la moitié nord. Et de 30 à 40 degrés sur la moitié sud. Attends. Avec localement sur des valeurs qui pourraient exister. 42 degrés sur la moitié. Je pense que celui-là, c'est celui que j'avais remis. Ah, pas, il alors les challenges ça donne quoi? Bah soit tu cours dans une rivière, soit tu ramènes une bouteille de mousseau au jury. Bah ça c'est facile. Eh, t'as vu, il y a une histoire de mascotte. Ouais, on aurait dû ramener ici. J'ai un Playmobil dans mon sac, ça peut être la mascotte. Ouais, est-ce que par contre j'ai donné la bonne réponse sur mon dictionnaire? Allez, putain, j'ai envie d'avoir de l'eau dans le pistolet, on va plus faire chier. Ça, ouais, putain, ouais. Un petit coup comme ça là. Non, des petits guidages. C'est tonneau, ouais. C'est lunaire, gros. Putain, c'est bon jeu ça. En vrai, tu crois que c'est pas bien, mais c'est super bien. Station, capitaine. Enfin, station d'autoroute. Bon, on a pris de l'avance parce qu'en fait, on s'est bourré, on a pris l'autoroute direct, tout le monde a pris les petites routes. Là, on va bien prendre le temps d'acheter des conneries. Voilà. Et on va enfin armer nos munitions, on va recharger les guns, mettre les piles dans les flingues comme il faut. Acheter de la tequila pour le mettre dans les. Est-ce que j'aime prendre des virages rapidement? Le Costa Concordia. C'est choué dans le rond-point. Ça te ouf. On va devoir nous remorquer. Putain. Mec, genre, attention, t'es prêt? J'essaie de garder le téléphone genre le plus horizontal possible, mais non, mais c'est n'importe quoi. 40 degrés, quoi. On va peut-être remettre dans l'essence, ça sera mieux. Ah là là. De toute beauté. Hop.
on range le bateau. Bon, on a quelques munitions. Je pense qu'avant d'arriver au bout de ça, tout le monde voudra juste nous tuer. On va prendre de l'eau. Enfin, de l'eau. De la tequila et de la DSP. De l'eau de là-haut. Et à foutre dedans, quoi. Attends, vas-y, je continue. Mais c'est complètement abusé, mec. Ensuite. Tu veux envahir le Soudan, en fait, ou ça se passe comment, quoi? Ça, tu déclenches là. La troisième. Je me suis trompé, j'ai acheté les mauvaises fléchettes. J'avais pas de pistolet pour aller, donc j'ai acheté le pistolet qui allait avec. T'es vraiment un connard. No time. Je pense qu'on pourrait se faire prendre. Bah. Après, je sais pas si c'est dans leur thème, tu vois. Oyez la sainte procédure qui va nous faire perdre du temps à chaque arrêt. Le substitut du plomb. Voilà. Et ah oui, en plus, j'avais oublié, mais il faut la clé à chaque fois pour ouvrir ça. On va bien perdre 5 minutes à chaque fois. Quoi. Allez. Parce que c'est un V6 TRV dedans. Le V6 TRV qu'il y a aussi dans la DeLorean. Tu es magnifique. Avec ton t-shirt Kellogg's. De lumière. Bois, ma jeune amie. Je vais lui en remettre un peu au cas où. Ça a la même couleur que le cocktail que tu as bu hier. Tu penses que c'est la même chose ou pas? Bénéficier du bas. J'espère qu'il y a plus d'alcool parce que le mien il était pas bon. Ouais, je pense que ça doit être pareil à mon avis. Cocktail hein. Parisien, mon gars, ils sont coupés avec à la flotte. Avec un peu de glaçon, à mon avis, ça passe ça. Hein. Ah. Frac. Je vais essayer de vous filmer en POV. Ça. Je sais pas si je vais y arriver. Oui. Ouais, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. It was at this moment he knew. He fucked up. Un peu d'eau sur le pare-brise? Non, pas sur toi. Mec, ce truc est incroyable. Non. Allez, on laisse les armes aux artilleurs. Moi, je prendrais un truc. Moi, je prendrais un truc à gâchette pour pouvoir tirer plus facilement. Voilà, premier drama de l'histoire. J'ai perdu la carte carburant entre ici et là-bas. Sachant qu'à aucun moment, j'ai mis ma main dans ma poche jusqu'à ce que j'ai essayé de l'avoir. Donc, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mec, je viens de me faire piquer par une guêpe qui était prisonnière à l'intérieur de ma robe de chambre. Au début, j'ai senti une grosse douleur, j'ai pas compris. Et après, j'entendais bzzz bzzz et je courais partout et ça continuait. En fait, elle était dans ma manche. Partons de cet endroit maudit. Dégage la mouche. On veut pas de mouche. Attends, et là, elle va pas démarrer, tu vois. Voilà. Ça, c'est normal, ça fait ça quand elle redémarre à chaud. Avec le chaud froid, ça risque de fissurer, elle dit à la radio. Pression de chance. Ah, ça y est, elle commence à repartir, c'est bon. Voilà. Pas de problème, mais quoi des solutions? On va ouvrir la fenêtre un peu, je pense. Ah! Partons. C'est une mouche. C'est quoi ça? Il y avait encore. D'eau. Il y avait quelque chose encore sur le toit? D'eau. Oh putain, c'est pas vrai. C'est celle de qui? C'est la mienne? Il y a moyen que ce soit la mienne. Forcément. Qui c'est qui a tiré à l'intérieur de la voiture? À l'intérieur. En fait, genre quand je l'ai pris, ça. Il y a de l'eau ça... partout là. Je pense que cette voiture, elle reviendra pas indemne de ce voyage quoi. Je peux le faire là? Ah, mais ils vont gueuler tous. Il y a un truc qui dit que je peux mettre le ticket. Alors, regardez, je vais essayer. Ah bon? Du coup, on fait comment? Ah, bah du coup, faut que je vous appelle. Regardez, j'appelle l'assistance. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Ah, ouais, d'accord. Tu requiers une assistance avec un. L'assistance en fait s'appelle la meuf qui va me dire d'enculer. Exactement, ouais. C'est ça. Tiens, on va la voir répondre au téléphone juste derrière. Oui. On a le moteur. Un petit peu.
commun, c'est la voiture à côté. C'est la. C'est le vieux bruit, non ? C'est le chien à côté qui fait un sale bruit, je crois. Ah. Je sais pas. Sinon, on soulève la barrière. Hein. Ouais. Ça va être tellement cool, je pense que c'est. C'est quel on est sur le petit peu maintenant. Ah, y'a personne derrière, moi. Allez. Ah, ouais, t'as le petit qui. Mais si, regarde, t'es là. Ah, ouais. C'est ça. Cher. Double chef. Comment niquer le système. Allez hop. Des connards ont toujours raison. Double chef. Les Rastignac. Incroyable. Les gros rats. C'est elle qui a déclenché le paiement. Ouais ouais, à mon avis elle a. Elle a dit le mec il est déter. C'est ouf. C'est ça. T'as mec on a gagné 5 000. Exactement. Ouais. 5 minutes de chaleur. Là on arrive à 3 où j'ai vécu pendant un an et demi donc je connais pas trop mal. Et ouais. Là mon gars c'est ville morte. Tu penses qu'il y a des restos ouverts mais, ouais mais là c'est vraiment ville morte. Il y en a combien, il y en a combien tu penses de ouverts? 2 ou 3. Il attend un chemin. Ouais. Ouais bah 3, tout ça se prend vers. C'est vrai que le dimanche compliqué à visiter. Je crois qu'on est bien garé là. Oui, ouais. En plein milieu, quoi. Voilà la vision d'une place d'après Franck Galère. Voilà, voilà. Bon. En espérant qu'on n'a pas un sabot ou plus de bagnole en revenant, quoi. C'est juste ça. Baf. Comme on dit, in Jésus. Allez, on va vous filmer 3, on n'est jamais venu je crois depuis le début de la chaîne, il me semble. Parce qu'à l'époque on ne filmait pas. Je ne filmais pas. En vrai c'est pas mal le concept de on double tout le monde, on a le temps de bouffer et on est peinard. C'est un peu la rue des restos là. Ouais. Alors, regarde comme c'est beau. Des glaçons. Plus rose que des glaçons. Mm-hmm. Et ben allez, la même. La même donc. Merci. Et moi je vais prendre une pinte de jus pisse. Une pinte de jus pisse. Et moi aussi, en plus de la pisse. De toute façon, c'est pas moi qui conduis. Carafe, minéral, gâteau. Carafe, très bien. Apparemment, tu veux le minéral, non pilote. Je vais péter mon gars dans la pâte caisse. Le burger à l'andouillette de Troyes et au chaourx, mon gars. Là, je pense, faut garder les fenêtres ouvertes dans la 604 après. C'est asphyxié. C'est un remake de Auschwitz, toute l'histoire là. C'est un kir. C'est un bon accord. Ah, je connais pas. Merci. D'accord. Allez, santé pour la première fois du voyage. C'est un rosé. C'est un rouget de Lille. Rosé Monaco. Sacre Hubert. Toujours le mot pour rire. Regardez-moi ce petit burger à l'andouillette de Troyes là, avec du chaourx. Ça va faire mal. Voilà, on a bien mangé, bien bu, enfin pas trop, c'est ce qu'on a dit. Là on va essayer de faire les challenges, il y a une histoire de se jeter dans l'eau, d'acheter du mousseux, d'avoir une mascotte. Tout ça. Messieurs, Os Wiedersehen. Ah, c'est horrible. Il a passé sa main. Regardez ça, regardez ça. Non mais, hé, ça va pas ou quoi? Non mais c'est génial. La passation des clés. La 604 is now. Attends, faut peut-être qu'on sache où il est quand même. Allez, c'est reparti. Comme en 40. On s'y sent bien, on s'y sent bien. On s'y sent bien, on s'y sent bien. On va aller partir en marche arrière. Prenez vos tickets à la caisse, il reste plus que 4 places dans la 604, immatriculée des 59. Allez, c'est parti, Franck Gallien au volant, allez. Est-ce qu'elle va démarrer? Ah, elle recule par contre. Attends. Oh, la musique, elle est incroyable. Bonsoir. I'm sorry. Oh, so sorry. So sorry. Et on part en marche. Salut. Salut.
Non, elle démarre pas. Ah, je vais me mettre comme ça. Le début d'après-midi des filles. Ouais. Ouais, enlève-le, enlève-le. Le démon. Allons, on se casse. Décollage. Oh là. Oh mon dieu. Sébastien Zebi. Valentino Rossi. Vitesse là, on a. C'est bien comme ça. Bonne position de conduite. De toute façon, je la kiffe cette place. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as fait quoi? Je sais pas. T'as appuyé dessus sans faire exprès? Être à gauche dans 600 mètres. Jusqu'à mercredi, on a décalé un chien au début du concert. Et voici qu'on a pris en fait l'orbite de la suite. On a pris une bêtise. Non, mais c'est pas possible! En tableau de bord! Putain, il en est partout! Attends, je vais me coller. Attends qu'on les double. Des fanions aussi parce que là les trucs d'abeilles là ça voilà mais tu sais que le problème c'est que maintenant c'est vachement formaté, tout le monde a la même chose. Ouais, pas trop ici. Pas si. Enfin, vraiment non, mais enfin vraiment comme t'as dit, trouver un truc chum, mais c'est de plus en plus dur de trouver ça. Il est pas mal lui. Il est pas mal, mais faudrait trouver un truc moins commercial encore, tu sais. Ah bah viens là, il y a des princesses là. Tu voulais pas des princesses qu'on les trash si un peu? Une princesse, je la découpe. Tu vois? Là on lui fait une robe en pâte à modeler. En mode pierre à feu. On va lui faire une tenue. Je vais m'en occuper. Il est dessus. Il est sur le coup. Par contre, on prend qui? Belle ou Ariel? Non, Belle. Belle, ouais. Belle, c'est plus. Une tête un peu plus tranquille. Ouais, voilà. Après, en vrai, psychoquac, c'est pas mal aussi. Le petit psycho quoi qu'il est rigolo. Fritti, pas de dire. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Chewing-gum qui claque. Tu prends ta shot. Non, pas du tout. Non, je vais t'apprendre ce que c'est. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai envie de coller ça sur le tableau de banc.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur qui voit que tu achètes de la pâte à modeler et une princesse? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire avec ça? Ils sont loin, ils sont très loin. Ils sont pas là. Tu connais pas le fruit zipazi? Qu'est-ce que c'est? Les mecs, c'est vraiment en chance. Ah, c'est de la poudre. Ah, ça fait du bruit. Ça claque dans les dents. Ah, on entend. Ça fait du... Ça frite dans la bouche. Oh, voilà, lui il va finir sur le capot. Ça sera notre emblème, notre spirit of ecstasy. Ce sera le spirit of quack. Bon, je pensais mettre du scotch, mais j'ai oublié, j'ai de la super glue, ce sera bien plus propre. Oh putain de merde. Ah ouais, bah là c'est sûr que les pêcheurs. Je suis pas sûr que ça va bien accrocher. Du coup, tu colles le spirit of quack. Le spirit of quack à l'avant de la voiture. D'accord. Bah, du coup, si ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Ça a l'air assez bancal comme ça. Hein. Ça a l'air. Ça... Ah, si, mec, avec la chaleur là, c'est en train de. C'est ah, déjà bah, en train de. Ça a fusionné. Oh, mec, ça a fusionné. Ah, bah là. Ouh. Et là, il a déjà pris là. Ah, c'est bon. Pratique. Bah, il faut que je nettoie ça avant que ça sèche. C'est colle instantané, vraiment instantané. Hein. 5, 6, 7, 8. Ah là, mec, bah, heureusement que c'est sur le sticker. Après, de toute façon, on va repeindre le capot. Bah là, oui, de manière, donc, ça. Mec, elle est géniale la route. Le spirit of quack. J'avais dit qu'on allait la pimper sur la route. Ouais. Ce que je kiffe, c'est que vraiment, on dirait qu'il est en PLS. Genre, non, je prends trop de vent et de moustiques dans la gueule, arrêtez. Je découvre. On a toujours pas trouvé de sticker sympa de la région où on est. Par contre, je me dis, est-ce qu'on met ça? Tellement elle est grosse, notre bagnole. Attention, angle mort. Bon, à 12 balles le sticker. Ah non, à 3 stickers. À 12 balles, c'est cher. Opération à cœur ouvert, au soleil. Voilà. Bah, attendez, vous êtes vus? Ben oui, vous avez bien fait. Il faut pas se priver. Ouais, jusqu'en haut. Jusqu'en haut, carrément. Merde. Merde. Mais... Spéciale dédicace à toutes les féministes. Oh, dur. Tiens, mais du coup, ça... Attends, on peut lui mettre sa robe, là. Voilà. Combien de temps ça tiendra? On ne sait pas. Ouais, ça peut faire une cape pour Psycho Quack. Attends. On ne gâche rien. Oh, putain de merde. C'est incroyable. Attends, j'ai mieux, moi. Le spirit of super quack. Elle est où ta colle? Mais c'est lunaire, oh, c'est joli. Super quack. À toutes les petites filles qui nous regardent, ne faites pas ça à la maison, c'est dangereux. Et à tout le monde, tout court en fait. Sur les talons aussi, tu peux en mettre. Attends. Oh là là. Mec, si la colle suinte à travers le sticker est finie sur la carrosserie, tu te sentiras malin. Tu sais que par contre, il fallait leur. Ah non, on doit leur donner. Attends. Vas-y. On doit leur donner ou juste leur montrer? Juste leur montrer. Vas-y, ramène le gaffeur. Mec, ça va finir. Ah, pourquoi t'as décollé? Attends, allez doucement la voiture. Son cul qui tient pas. Ah non, c'est bon, on est bon là. Attends mec. C'est très sale ce qui se passe. Où va s'arranger? Tu veux filmer? Quand tu veux filmer, Val. Tu veux filmer? Ah, ça, je te laisse la responsabilité de ça. T'es vraiment un affreux mec. T'es vraiment un horrible personne. Oh putain, les gens ils vont câbler hein. Les gens ils. Mais non, c'est drôle. Ah oui. Pense sa coiffure, elle va tenir combien de temps? 150? Ah, je sais pas. Bah, qu'elle finisse genre à l'envers. Par tenue ou quoi? Ah oui, ça tient, là, ça y est. La chaleur, elle commence à faire tenir le bazar. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est juste les pieds, c'est à cause des. Comme on enfonçait les pieds, ça faisait lever le cul. Ouais. Ça arrive souvent. Ne faites pas ça à la maison. Magnifique. Mec, à la fin, elle va arriver avec les cheveux dans la gueule, là. Ça va être magnifique. C'est ça. Ouais, la plaido, c'est maintenant? Bah, on en fait pas, on en met pas en fait. Ah bon? Ça sert à rien. Je vais faire un autre truc avec la plaido. Avec de la. Ah si, avec un marqueur. Avec de la plaido. Ça, je crois qu'elle est bien accrochée là. Ouais, elle bougera pas là.
C'est marrant parce qu'il remarque les trucs, mais avec à chaque fois 4 minutes de retard, t'as remarqué. Ouais. On lui dit des trucs, il fait ouais, ouais. Puis en fait, s'il écoute pas, il remarque après. Ouais, bon, il devient sénile, c'est tout. Helmut. Frénile. Ouais, ça tient. Ce qui est bien, c'est que regarde, elle tient vraiment bien maintenant. Ça bouge pas. Ça, c'est une boule attache remorque maintenant. C'est devenu. Putain. Et le Spirit of Super Quack à l'avant, c'est magistral. C'est du pur génie. On va passer là. Ouais, mec, elle tient. Elle va bien. Voilà. Elle passe évidemment qu'elle tient. C'est génial. Ouais, mec, ça c'est. J'ai quand même des idées des fois. C'est con, hein, mais c'est marrant. Bonne balade. Merci. Bon voilà, la customisation continue. Ça commence à y avoir du sticker de partout. Attention angle mort, c'est une grosse voiture. C'est Cocoac avec sa cape, il est bien. Évidemment, on nous prépare un 1000 pattes, c'est ça? Ouais. Tu sais faire les 1000 pattes? J'essaye de faire un truc qui a des yeux un peu globuleux. Est-ce que ça fonctionne? C'est mieux même. C'est beaucoup mieux qu'un pauvre bout de scotch. Qu'est-ce qu'on est créatif. Merde. Scheiße. Sinon, fais-lui la bouche à la place du baillon. Non, non, ça tient pas. Voilà, du très bon goût, bien sûr. Bon, plus que 36 minutes, on a fini pour la journée. Mais non. Si. On va pouvoir se la couler douce et en faire couler quelques-unes surtout. Vol petit psychoquac, vol. Ah, c'est génial. Ah, sortie 11, oui. Ça y est, fini l'autoroute pour aujourd'hui. Regardez comme c'est beau nos campagnes. C'est pas les États-Unis, mais bon, c'est bien quand même. Bon, là, on part dans des vignes de colza. En tout cas, j'espère qu'on est sur la bonne route, hein, parce que sinon, on est mal. Ah, ça monte dur. Hein. Ça cogne aussi. Hein. Ouais, tout en même temps. Température moteur, on est encore bon. On est pas loin du rouge, mais on est bon. C'est où? C'est par là? C'est ici? Do you speak English? Ah, the Netherlands. Is it here? Ah, oui. The camping is right there. It's up there. Oh, okay. We are broken down. Oh, you are? Shit, can we help you? Regardez le t-shirt, attention, et regardez la voiture. C'est la déco de la Jeep de Jurassic Park, c'est génial, j'adore. Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Il est arrivé comme un fou. C'est là-bas? Ça va, ouais. C'est là-bas, ouais? Ouais, mais on était les premiers, du coup on est reparti dans l'autre sens. Il y a un cortège, c'est mieux. Ah, c'est où le cortège? On est en avance, en fait, c'est dans un quart d'heure. Ah ouais, merde. Pensez qu'il faut qu'on attende aussi? C'est mieux? Ouais, je pense. Tu retournes où? Avec les copains, ouais, ok. Allez. Allez. Fort Pélissier, qu'on sait. Ils ont planté les tentes dans le champ, là, tu crois? Ouais, ils ont rien. Vous avez réparé votre roue? Ouais, vous avez réparé votre roue? T'as retrouvé ta carte essence? Toujours pas. Toujours pas. Et là, réparé la roue. Ça va comment? Bah ça va nickel. Oui, ça va. La petite piqûre de guêpe rentre. Ah non, nickel, c'est parti. Ouais. Pico vélo. Ouais, oui. C'est parti. Tout alors, vous avez fait le challenge aujourd'hui? On a trouvé la mascotte, elle est à l'arrière, regarde. On l'a kidnappée. C'était marqué kidnapping. Et vous êtes très bien, la bande de crapules, c'est quoi ça? C'est vrai? Ouais, ouais. Vous partez en dernier ou ça sera en premier? Mais les gars, je les vois. Vous aviez dit il faut voilà, au kidnapping, alors on a fait un kidnapping. On a fait un kidnapping. Ouais, c'était marqué, c'était le thème. On a tout trouvé, sur place. Elle est bien goût. Et le mieux, c'est que tu sais quoi, tu sais ce que c'est la cape là?
C'est la jupe de l'autre. Exactement. Et ça marche nickel. C'est la bonne couleur. C'est parfait, hein, ça. Franchement, c'est... Voilà. Voilà, on est pas mal. Ils ont demandé si on avait des bulles. Alors attention. Je pense qu'ils sont pas prêts. Ouais, tu vas voir les bulles qu'on a. Vous vouliez du mousseux, c'est ça? Moi, je veux arroser Playboy. Ah, celui-là, il envoie des wagons de flotte, mon gars. Ah, bâtard. Mec, je t'ai éclaté la tête. Ah là ça arrive, allez allez, on ouvre les jouets là, on ouvre les nerfs, on ouvre tout là. Quel accueil hein. La picole nationale. Ouais, il y a la queue. Le beau la salle. Ouais. Très très beau ces 15 ans. Bon exemplaire. Un petit peu d'eau pour tout le monde. Vous avez chaud, non? Bienvenue les gars du pick-up. C'est bonne route. Ah, ah. Comment ça se fait que t'es là avant nous, toi? Bah, je sais pas, on a... ça roule bien une 604. Non, elles sont censées. Elle est pas en panne. Ah non, elle est pas, pas encore. Ah oui, d'accord, non, c'est quoi? Ah. Chevrolet Beretta, c'est sympa ça, vous avez jamais vu ça de votre vie, avouez. Avec un interdine d'une citron. Sympa. Ah, la petite démonétisation pour la musique, on va parler par là. Et donc on vient d'apprendre qu'il fallait amener nos propres tentes. Moi j'avais rien compris quand on a discuté avec leur gars. Ils m'avaient dit il y a plusieurs packs et tout, vous on fait le truc, la totale, hébergement compris. Ouais, super. Non. Il faut qu'on trouve des temps. Donc, on va dormir dans ma voiture ce soir. Regardez-moi cette beauté. C'est électrique. Ça tire tellement loin. Là, on vient de le tester. Donc, tu appuies sur cette gâchette là pour lancer la machine. Et après, regarde. Ah merde, dans la roue. Allez, première bière du voyage. Cheers. Cheers, my man. Première étape. Cheers, réussi, réussi. Pas de problème pour l'instant. On touche du bois. Allez. Ça roule.
Moi je pense qu'il faut qu'on lance des attaques. Mais oui, oui. Faut qu'on court vers les tentes. C'est bon, j'ai ma dose, frérot. Ah bah là, oui, t'es dosé. Hein. Oh putain, t'es bien dosé. Ça fait du pied. La tranche. Ça va. Arrivé. Ça roule nickel, mon gars. 170 sur autour. C'est la mascotte. Ça oui, mais ça c'est quoi ça? Ah, c'est pour quand on a soif. Ah bah voilà. Tu vois, regarde. T'as bien la mascotte. Ah mais ils sont très très beaux. Oui, c'est excellent. Là, hein. Bon, on va faire une petite bataille, ça va être bien. Ah ouais, c'est cool ça. Bonjour. Avignon, c'est votre nom, c'est pas votre destination? Non, c'est mon nom. D'accord. Enchanté Avignon. Ah putain. Ah d'accord. Ah putain. Ah, faut pas nous chercher. C'est... pas mal, pas mal. Ça va mal finir, tous vos petits papiers là, attends. Ah là là. Sandriou. Oh putain de merde. Très très beau. Ah oui. Là on a un gros niveau. Ouais ouais. Les petits cils là sur les phares. Je crois qu'il y a 6 dedans. S'ils sont 6 dedans, respect. Franchement ouais. Franchement ouais. Mais il est très très beau. On dirait un satellite. C'est un bordel. Ah d'accord. Putain. Et les mecs ils sont tellement préparés par rapport à nous. C'est ouais. Un truc de... En vrai, nous, on est là. Hein. Touristes. Ah bah, mais c'est les village people, j'ai pas vu. C'est qui? Génial. C'est qui? Ah, t'as une réplique de Ferrari sur base Renault Fuego. C'est ça, exactement. C'est une Renault Fuego camouflée. En vrai, c'est une Toyota. Toyota Prélude. Non, c'est les Celica, qui faisaient. Ouais, voilà, c'est les MR2, ouais. C'est ça. Pontiac Fiero, mec. Pontiac Fiero, restylé. Salut! Y'a le nom, là? Ça commence déjà. Bah ouais. Attention, je t'oublie pas. On en a aussi. T'as besoin? Ah, c'est bien ça. Alors nous, on a tout. Hein? Tu peux pas tester, on n'a pas ramené de tente par contre. Parce qu'il est rempli. Ouais, ouais, ouais. On a pas de tente, mais on a que des nerfs. Ouais, vous êtes trop bien là-dedans. Non, vous êtes trop pour tout ça. Ah bah, sympa, ça se met bien. Pourquoi ouais, vous avez... En vrai, moi, sympa l'autre suite. Toi, attends. Il y a de la place. Ah, voilà, tu tapes ce que tu veux. Vous faites une tente là-haut, non? Non. Non. Ah. Non, vous dormez dedans, il y a la place. Il y a quoi? Il y a des trois couchettes. On sait mettre deux matelas d'affilée. Ah ouais, d'accord. Sympa. Vous êtes quoi? Vous êtes déguisé en mormon? Vous pouvez passer dans la cave tout à l'heure. Et au Carnotze, vous avez un peu des petites bouteilles. T'as un frigo là-dedans? Non. Il y a tout ce qu'il faut. Oh là, incroyable. C'est vrai que nous, on est venus vraiment à l'arrache comparé à... C'est terrible parce que quand je parle avec des Belges, je prends l'accent de la frigo. Ouais. Oh putain. Voilà, attends, c'est quoi cette personne qui est plus gros que le moteur? Voilà, 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 voilà. C'est pas homologué tout ça? Attends, je vais mettre un peu d'eau dedans. C'est ça, tout homologué là. Problème, tout est strict légal. Ce que tu voulais faire, mais moi j'ai refusé de mettre la grosse basse sur une ancienne. Ah, tu vois? Ouais, bah, ouais, moi je voulais pas abîmer la basse. C'est pour mettre dans le coffre. Hein. Ouais, quand même. Ah, mais nous on a plus de place. C'est ça. Parce qu'en fait, on était mon con, on n'a pas amené de tente, mais on a amené 46 pistolets à eau. Quoi, tu vois. Donc le coffre il est rempli de pistolets. Voilà. Attends, il faut que tu te présentes tout le monde alors. Ah, voilà. Il y a qui? Alors, il y a. Ah, t'as une poupée, bon. Putain. C'est ah oui. On voulait en accrocher une sur le dos. Il y a Alberto. Mais... Dis bonjour, Alberto. Bonjour. Et Ursula. Ursula, d'accord. Elle a perdu sa lunette. Ursula. C'est Ramona. Putain, elle a les petites tétons. Ramona. Eh, mais regarde, attends. Elle, c'est non, mais attends, comment ça se fait que. Tu peux les tirer et tout, genre, c'est n'importe quoi. Putain, c'est réaliste en plus. Vous avez dû la payer cher en plus, le bordel. Bah oui, parce que c'est une poupée assise. Ouais, vous l'avez à la soirée, classique. Ah oui. Debout, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay. Donc on peut faire des slows avec ce soir, c'est bon? Ouais. Ah, je te la prête, 50 balles la demi-heure. Ça marche? J'espère qu'elle est bien lubrifiée. Elle est plus seule encore. Oh. 100 balles. Ça veut dire, oui, il va augmenter le prix. Petite. Attends, c'est quoi, c'est une arnaque? La poteau automobile. Je sais plus. Bah, c'est une. C'est le 21. Ah, c'est fini. Bah si, ouais, c'est une 21. Ah mais c'est une 20. Ça ressemble pas à ça, une 21.
Ah ouais, d'accord, j'avais oublié qu'elle était autant restylée que ça. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec la R21 du début. Ah non, genre rien. D'habitude, face gauche, ça change un peu les phares et tout. Là, c'est même pas la même bagnole. Ah non, c'est bien. Moi, je jamais de ça. Bon, à peine un peu, mais ça marche. Et cette génération-là, il n'y a plus la turbo. Je vois pas d'être. Alors, si, il y a les turbo après, mais nous, non. Ah, il y avait les turbos de ces gueules. Ah oui, non, ouais, mais les deux litres turbo, elles n'ont jamais eu la même gueule que les vrais 21. Ouais. Même restylé en fait. Ah, mais moi, les R21 que je connais, elles ont un coffre. Ouais, pas ouais, rien, ouais, ça, ouais. Mais c'est ouais, comme ça. Ouais. Ouais. Le petit chaleur pour savoir quand la bouffe elle est prête. Ça sonne quand le. Comme les otakos. La bouffe, c'est pas le moins rose. Ah si, si, vous êtes bien mieux préparé. Ah bah oui, oui, vous avez mis le paquet, bonjour. Ouais, mais si vous savez tous les week-ends qu'on a travaillé. Ouais, ouais. On est venus comme des touristes. On n'a même pas de tente, en fait, on a pris tout plein de nerfs. J'adore. Ouais, c'est notre Ferrari à nous. C'est un âne. Alors, c'est génial. Diablo sans doblo. Excusez-moi. Ouais, au niveau de la doblo. Taille, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ah oui. Est-ce que c'est la taille qui compte? Ouais, mais c'est, ouais, c'est la participation. Ce qui compte, c'est participer. Mec, c'est le. Je pense que j'ai une arme de dissuasion massive. Mec, c'est le criquet infernal. Et encore, il est presque vide. Hein. D'habitude, ça lâche un litre d'eau à chaque fois que je te couffe. Et nous, le problème, il fuit. Moi, regarde. Fuit, quoi. En plus, c'est... t'as la goutte. Il a la goutte. La goutte ouais. C'est connu, c'est pour le calbut. Ah, la banane. J'adore la banane transparente. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Je pense qu'on va quand même. En vrai, s'éclater. On est des petites bites quoi. Ah, mec, mais on est des touristes. Touristes. Je me disais, cette vidéo, on n'a rien à montrer. En fait, là, juste ce qu'on vient de faire, c'est la vidéo. C'est ça. C'est lunaire. Ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve. Allez, on va retourner boire une bière. Ouais. Ouais. Allez. Pour consoler notre, notre nullité. Ah, non. Ah ouais. Mais bon, ça fait moins mal que les bites. C'est la classe ton truc. C'est gentil, merci. Oh, c'est calculé. Voilà, deuxième tournée, c'est parti. Puis là, je pense qu'on va couper jusqu'à ce qu'on aille danser. Ouais. Bon chance. Bon chance. Je t'en prie. Je te rappelle qu'il y a le sud. Charge les petites assiettes, charge. Je vais venir vous servir. Oui, on va revenir. Bien, là. Charge tout, là. Allez, non, moi d'abord. Moi d'abord. Mais malgré les gars, faites ça si vous voulez. C'est le youtubeur là. Oh là là. L'assiette, quoi, quoi? Regarde, essaye, serre. Serre-le. Attention. Vas-y, serre l'assiette. Pour moi, ce sera bon. Voilà, parfait. Attends, l'autre, il a une grande assiette. Je résisterai mal à la personne. Ah, merci. Ouais, t'as vu? Merci, merci. Mais on aime veggie aussi, vas-y. Donne-moi du veggie. Évidemment, c'est esprit camping. La vaisselle, c'est à la guerre comme à la guerre. Comme ça. Nettoie un peu hein. Et après hop, devenu connu, un petit peu de gel comme ça, ouais, c'est reparti comme neuf. Par ce magnifique coucher de soleil, on me fait des propositions indécentes. Qu'est-ce que c'est la moins nette? C'est de la bière? Ouais, ça va. Bah oui. C'est quoi ta chaîne? Elle m'a dit tu m'abonnes à ta chaîne, à sa chaîne, et elle me donne ça. Les tourpiers rallye. Les tourpiers rallye. Les tourpiers. C'est de tourpes. Tourpes, d'accord. Bah écoute, vas-y, je vais le faire et puis on va dealer ça, hein. C'est très bien. Tu diras si elle est bonne. Qu'est-ce que t'en penses? La chaîne? La bière? Non, moi. Pardon. La paella était très bonne. Alors lui, je crois que c'est ma nouvelle arme préférée, quoi. Surtout que tu peux faire... tu peux la faire... tu peux faire ça, tu vois. Tu peux faire une roulette russe avec. La longueur du bazar. Est-ce que vous êtes sûr?
5 voitures, très bien. Attends, je filme le gland ambulant. Là. Voilà le niveau. Le niveau. Et ça, vous le verrez ni au Gumball, ni au Gull Rush. Il n'y a que au fucking Budapest Rally que tu verras ça. Est-ce que vous avez déjà vu un gland sauvage en train de glisser? Et il est là? Ouais. Faut glisser de temps en temps, gros.